Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce vendredi. Je sais pas combien on est, mais on s'en fout. C'est le vendredi 30 juin. Cette vidéo, probablement dans vos premières, non, j'en sais rien, je pense pas, ça m'étonnerait. Dites-le en commentaire si ça vous a plu cette blague. Aujourd'hui, on va dégommer de l'allemand, enfin, du moins, on espère, en retrouvant notre ravitaillement et en trouvant une solution. Pour enlever certaines pénuries et notamment avancer. J'aurais un allié américain ou un anglais joueur, ça se passerait pas comme ça. Mais là, j'avoue que sur la trentaine d'épisodes, là quasiment, on est coincé. Je pense que je vais finir par bombarder, je sais pas, les ressources en pétrole allemande. C'est-à-dire ça et ça. Enfin, surtout ça. Ça sera déjà un gros coup de lui niquer son pétrole. On va faire ça d'ailleurs. Premier épisode, on nique du pétrole. Les bombardiers, ils vont pas jusqu'à là-bas. Large que si. Je sais pas déployer ou quoi. Peut-être des chasseurs. Sauf que eux, par contre, les chasseurs, ils vont pas jusqu'à là. Bah si, ils vont jusqu'à là-bas. Bon, peut-être qu'eux, ils sont un peu justes. Voilà! Mais non! Pourquoi? Ah, il peut. Allez hop. Oh, j'ai toute l'aviation ici à développer. Bon, on va développer. Hein. Allez, plus de pétrole! Ou baboum! Plus de pétrole. Ça a fait chuter de 60. De 50 points le pétrole. Bon. En vrai, ça n'a rien donné. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais aider les alliés, puis je vais bombarder les lignes ennemies ici. Hein. Pas le choix. Bon, ça, vous me frappez et vous me déglinguez. Le type ravitaillement zéro, il va juste perdre de l'organisation à main nue. Voilà. L'organisation descend à vue d'œil. La force aussi. Ça, c'est beaucoup d'Allemands en moins. Ça paraît pas, hein. Il y a déjà 21 millions de pertes. 34 millions, quoi. Dans la vraie vie, il n'y avait pas autant de pertes. Hein. Rare, mais il a fait de perdu. Parce qu'après, oui, c'est la France de Vichy que je vais bombarder tout là. Ça va enlever tout le ravitaillement ennemi ici. Que je bombarde ce point, ce point, ce point, ce point et ce point. Bombarder ces points-là, ça va les faire déglinguer. Elle résistera pas réellement longtemps, la Suisse, mais au moins on aura pas pris le Tessin, mais surtout, enfin le Tennessee, mais surtout on aura pu détruire de l'allemand, hein, pour d'autres consolations, après une légère déroute. Sur l'épisode précédent. Et donc on pourrait faire libérer la Pologne. Et là, ça va désorganiser complètement l'Allemagne. Donc ce qu'on va faire. Mes espions allemands. Lui et lui. On va faire rétablir la défense. Tu vas ouvrir un réseau sans problème. En espérant qu'il se fasse pas capturer. Hein. Oh! Bon.
tableau de consolation détruit. Détruit par une ambition qui n'a pas pu être tenue, quoi. Problème de train. Quoi ? Mais je peux pas maintenir cette cadence. Je veux bien faire des efforts. On va le mettre du caoutchouc, quoi. On a partout. Oui, bon, ça va venir, ça. C'est le temps. Hein. Gouverneur militaire. Ouais, bon, si tu veux, ça te fait rire. Bon. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais en tout cas, c'en est une, quoi. Bon, ça, je m'en fous, là. Les bateaux, je m'en fous. Je suis pas contre des puissances navales, là. Je m'énerve pour rien. Il fait chaud dans cette maison. Il est 10... Attends, il est 11h et j'ai encore les fenêtres ouvertes. Non, faut que je les ferme, c'est pas possible. Voilà. Voilà. Sinon, on va juste mourir. Voilà. Tu peux pas enfoncer ça. Bon. Après, bon, en termes d'espionnage, résistance préparée, effectivement. On peut, on va pouvoir commencer à faire certains mouvements intéressants avec les espions. Je construis un tas de trucs qui coûtent cher ici, donc je vais construire vite, hein, mais je pense qu'il va falloir que j'adapte légèrement la condition. Et on va construire de l'entière un peu partout. Si le jeu me le permet, qu'il frise pas. Ok. On va continuer à faire ce genre de trucs. La guerre de position va plus longue que... Plus longue que la première, quoi. Ok. Ça construit vraiment des murs, cette histoire? Oui. Ah. C'est moi qui ai dû le construire, ça. La Kaiser H aussi, en général, je construis des murs ici. Contre la Vénétie. Parce que sinon, c'est un peu une galère. Je sens que cette histoire est relativement compliquée, hein, sachant que les alliés en Grèce... Ah, ils ont reculé, mais ils ont réussi à maintenir le cap. Au Portugal, ça serait réellement intéressant de le récupérer. L'Espagne, c'est pareil, il faudrait boucher, enfin, faudrait bombarder complètement. C'est vraiment, c'est infâme, hein. J'en suis rendu à la bombe nucléaire pour pouvoir avancer. C'est... J'ai jamais vu ça, moi, sur ce truc, hein. Je sais pas si vous, oui, n'hésitez pas à le dire en commentaire.
Ah, j'ai tout réparé, ça y est. Tout est réparé, c'est fou. Ouais, bon, ça serait bien que je les construise avant ces trucs-là. Bon, même un peu en biais comme ça. Même si ça part un peu en biens de consommation, au moins faut que ça parte. J'en ai zéro. J'ai moins un de biens de consommation. Ah, c'est terrible. On aura réparé un. On aura fait des conneries sur ce jeu. Et je ne sais toujours pas quoi faire. Je pense que je vais aider les alliés. Si les alliés j'arrive à élargir le front, on va en mettre plus et moi je vais être pas mal. Ça me fait chier de les idées, mais franchement le choix est imposé. Que je bombarde Vichy, Bordeaux. Après c'est pas mon territoire. La France quoi. Ici c'est pas bombardable entièrement, alors qu'ici c'est bombardable. J'ai déjà détruit pas mal de choses. On l'y a à réparer en Allemagne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai ralenti. Et des fois, trop le ralentir, ça amène à sa défaite. Oui. Ouais. C'est pas mal. Cette ligne de front ne veut rien dire, mais elle va bientôt bouger. L'Allemagne reprend ses marques. C'est quoi les productions anglicanes? J'en sais rien. Mais what the fuck? Et l'américaine? Bon, il pète des bouches l'américain, mais... Comme d'habitude. Ramasse-miettes. J'ai un super radar. J'ai un super radar pour faire des super bombardements. Je vais le construire ça de toute façon. Ouais. Que je remette un super radar. Ah! Ça me donne des usines en plus. Après, le problème, c'est que bon, faut que je construise des avions. On va arrêter un petit peu plus la production de ça. Et on va produire des avions. Un peu plus en masse. Mais je vais jamais pouvoir rattraper son. Je produis que la moitié des avions, quoi. Oui, train perdu pour cause de bombardement ennemi. Je suis bien au courant, mais voilà. Maintenant qu'on a débloqué ce train... juste en produire des masses. J'ai fait quoi en termes de recherche aviaire? Petite cellule moderne.
C'est ce que je produis en soi. Oh voilà, c'est le problème avec ces espions. On va déployer un peu plus là. Je vais me les faire capturer, mais je m'en fous. Comme ça, on va pouvoir commencer à préparer des situations intéressantes. Prêt? Balance l'opération. Renforcer la résistance. As de la fuite. Vas-y, les as de la fuite. Là. Choix de la cible. La Pologne. Oh, vraiment. Varsovie, simplement. Préparer. C'est une opération qui dit risquée. Bon, risquée, je sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est que, bon, bah, faut le faire. Hein. Si jamais la Pologne se rebelle et qu'elle arrive à prendre pas mal de côtes là ici, l'anglais il va juste faire hop, je me mets là. Et pourquoi la Suède est tombée comme ça? Qu'est-ce que cette histoire? Et nous, ça nous ouvre un front, ça nous allège, on avance un petit peu et ça nous permet d'avancer, non? Oh là là, la semaine prochaine je vais devoir bombarder des trucs, ça va être terrible. On n'avance plus, elle est limite pas intéressante cette game. Oh, un débarquement, trop marrant. Le front, il est pas si... Bah, j'ai envie de dire uni, quoi. Les montagnards. Des généraux qui se blessent, en plus, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Formazione. Ouais. Bon. On va voir ce que ça donne réellement. Il y a plus de recherche à faire là-dedans. Hors de question que je fasse plus de recherche sur les chars, ça rien. Ça faudrait peut-être que je m'en équipe. Parce que ça, ça peut être intéressant de s'en équiper hein, dans le sens où ça va nous débloquer certaines choses. Vous avez tous lu la même chose que moi. C'est terrible. C'est terrible ce qui vient de se... Ce que je viens de voir, c'est terrible. C'est terrible et ça m'écœure. Ouais, non mais... Cette province, si tu veux... Celle-là. Ici, ça sera toujours ravitaillé, mais moins là et là, peut-être. Bah, il défend là l'allemand. Hein. C'est. Ouais, c'est logique. Je l'ai niqué toute son industrie une fois, il va pas recommencer à la reconstruire encore une fois. Ça a été terriblement drôle cette histoire. Terriblement drôle. Alors, on va commencer à préparer ce qu'on appelle les bombardements. Ah. Vas-y. De toute façon, ça rapporte quoi? Rien. Bon, très bien. Alors. On va peut-être pouvoir tenter quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire, tout ce qu'il faut avec. Hein, pour m'encourager un petit peu, me donner des conseils peut-être que j'essaye de suivre. C'est pas tout le temps évident, mais j'essaye.
Très bien. Alors, essayons de prendre l'avantage ici, dans cette zone. On a pris l'avantage sur la zone. Pas vraiment. Ça, c'est déjà détruit. Hein. Ça c'est déjà détruit. Ici on n'a plus rien à faire comme recherche, ici non plus. En aviation, on va les terminer. Je peux pas voir plus. Efficacité de marine, émission d'escadrille. Notre détection aérienne. J'ai l'impression que nos avions sont minables face à ceux des Allemands. Oh, là c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Code ennemi décrypté. Mais je pense pas que ça suffit. On va tenter. On va tenter quelque chose d'intéressant. On va les activer. Voilà, ça devrait être bon. Non! Mais j'en peux plus! C'est quoi cette France un peu occupée? Bon, défendue par l'Allemagne, mais... Ça doit être bon, là. Non, mais... J'ai dit que ça doit être bon, là. Je comprends pas. Il dit que c'est bon à chaque fois. Comment ça se fait que mes avions sont autant minables face aux Allemands? C'est quand même terrible. Je comprends pas. 78%. Supériorité aérienne. Ah. Est-ce que mes avions ils travaillent de jour comme de nuit? Là ils travaillent de jour comme de nuit. Là ça devrait être bon, je peux. Là je peux. On rebalance. Bon, j'aurais pu en balancer une là. Bon. Allez hop. La France de Vichy. Le ravitaillement est coupé. Chez les alliés aussi. Mais l'important c'est que chez l'ennemi ça doit être complètement détruit. Les deux bombes nucléaires, la France normalement elle est pas... La France de Vichy elle est pas en pleine forme là. Bon allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, là, pour ce vendredi. Là. Ça fait déjà un épisode plutôt un peu plus long que d'habitude. Mais au moins, on sait un peu plus... il se sera passé des trucs. Parce que j'aurais cru qu'il se serait rien passé du début jusqu'à la fin. Oh là là. La France s'y passe pas, quoi. Ça me saoule. Bon, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va essayer? J'écrive ça sur un calepin.
La mission, on va la lancer, tiens, comme ça la prochaine fois. Oh la vache, comme ça la prochaine fois on l'aura peut-être. On sera en, déjà en 49 quoi. Milieu de guerre froide normalement. Ah. Bon allez hop, ça devrait être pas mal. Comme ça, on est sûr d'une chose, c'est que la prochaine fois, on n'aura pas trop à gérer les espions. Ils sont déjà en train de faire leur boulot. On va rebalancer des bombes nucléaires. On va passer faire ça. Donc si je travaille aussi de nuit, normalement les Allemands, je les rattrape. Mais bon, il faudrait que j'ai une construction d'aviation beaucoup plus forte. Et j'ai pas une construction aviaire trop forte, en fait. Et ça, c'est comme ça. Bon, allez, hop. Ciao, ciao.